Salut les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien sur la chaîne de Passion Gaming. Je vais vous présenter la carte de Ansu Fati. Donc il faudra un joueur de Liga Santander minimum, un collectif à 70 et une équipe minimum à 83, une autre équipe à 85 avec un collectif à 60 et un autre collectif à 50 avec une équipe de 86 et un joueur du FC Barcelone. Donc je vais vous dire mon avis sur cette carte de Ansu Fati qui a un double 4. Il a l'élevé en attaque, moyen en défense, 1m78, il joue au FC Barcelone, de nationalité espagnole, il est âgé. Donc en termes de vitesse, c'est très très bon les amis. Il a aussi la caractéristique extérieur du pied, donc extérieur du pied en ligne, donc c'est super important. En termes de vitesse, comme je vous ai dit, c'est très très bon. En termes de tir, il manque un peu de puissance de tir par rapport au poste où il est. Après, on est en début de jeu, donc c'est un peu normal. Par contre, il a la finition, il a un bon petit placement offensif, le tir de loin est pas si dégueulasse. En termes de passe, c'est pas si mauvais que ça. Après, il a l'agilité, l'équilibre, ce qui le rend super méta. Il a la conduite de balle et le calme est pas mauvais. La réactivité, dommage qu'il n'en a pas un petit peu plus. Après, il a la force et l'agressivité qui est pas très bonne, mais à ce poste-là, c'est pas si problématique. Et il a que 80 d'endurance. C'est une POTM. Et vu le niveau qu'il a, les amis, je pense que sa carte va... il aura des ups sur sa carte. J'en suis sûr et certain, il aura des ups sur sa carte. Donc, est-ce que mettre 200K, parce qu'elle coûte 200K, est-ce que c'est judicieux? Moi, je vais vous dire directement, il n'a pas une mauvaise carte, mais il faut pas faire sa carte. Parce qu'il coûte 200K et je trouve que à ce prix-là, c'est problématique. Surtout qu'il manque énormément d'endurance, les frérots. On sait que quand on joue en pressing, 80 d'endurance, ça peut être très problématique. Donc, c'est une carte que je vous déconseille de faire, pas parce qu'elle n'est pas bonne, mais 200K, ça fait cher et il aura d'autres up et cette carte sera vite dépassée. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.